Salut, salut tout le monde, c'est Tuto Pratix. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment ajuster le son de vos haut-parleurs, voilà, donc de vos enceintes ou des trucs comme ça. Alors, donc pour commencer, on va donc aller dans le panneau de configuration. Alors sur Windows 7, vous allez sur le bouton démarrer, vous cliquez, vous choisissez panneau de configuration. Sur Windows 8, vous allez sur le coin paramètres. Panneau de configuration, matériel audio, gestionnaire audio HD Realtek. Donc ça dépend des PC, hein. Parfois c'est Dell Audio ou n'importe quoi. Voilà. Donc hop. Quand on est ici, on va aller dans le microphone, haut-parleur. Excusez-moi, je me suis trompée. Je me suis embrouillée avec l'autre tutoriel. Alors quand on est ici, on va tout simplement aller dans. Donc déjà cocher les deux choses, ça et ça. Tout simplement ça va vous donner un son de home cinéma, voilà. Tout en utilisant un casque stéréo, un casque que j'utilise, un casque avec un bon son et tout ça. Voilà. Donc là vous cochez ça et ça. Effet sonore. Vous allez donc là karaoké, ça sert à rien. Moi je vous conseille de rien cocher parce que tout simplement ça gâche un petit peu la chose. Format par défaut, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai choisi ça, mais c'est bien aussi de prendre le dernier. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Alors, si vous n'avez ben c'est tout, hein. J'allais dire, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien aller sur son, mais ça va pas être tout à fait la même chose. Son donc, mais ça va pas être tout à fait la même chose. Donc, haut-parleur, propriété, si vous n'avez pas de gestionnaire audio, là à niveau bon, vous pourrez mettre le son. Amélioration, vous aurez quelques petites améliorations. Donc j'ai oublié de dire que si vous débranchez votre casque audio, donc moi là ça me fait ça parce que tout simplement j'ai mis mon casque pour faire mon tutoriel. Donc voilà. Donc ces casques, ou à la place de ça, si vous mettez pas vos écouteurs, vous aurez virtualisation surround. Voilà. Normalement. À sonde à live, vous pouvez cocher. Ici, vous pouvez aller dans Avanced, mettre en normal et voilà. Moi, je le fais pas. Ici, vous faites ce que vous voulez. Bon, voilà. Donc si vous n'avez pas de gestionnaire de vidéo, vous n'aurez pas non plus ça. Voilà, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas de la virtualisation casque ou surround. Voilà. Vous aurez vraiment le max, ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez bien aimé. Commenter si vous avez compris ou pas compris. Ou si vous voulez me remercier ou quoi. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir. Parce que tellement que ça me choque, je vais vous dire. Quand je suis sur Gmail, que je vois truc. Enfin, quand je vois des personnes qui se sont abonnées à mes vidéos. Je suis étonnée parce qu'il y en a plus d'un quoi par jour, donc ça me. Je me dis. Mais voilà, bon, je vous remercie, voilà, j'ai pas d'autres mots. Je vous remercie beaucoup de me soutenir et tout ça. Et malgré mes strikes, voilà. Donc je vous remercie beaucoup et je vous dis à plus tard dans un prochain tutoriel. Ciao, ciao les gens et bonne journée.